2, ça c'est la classe de grade 9, et chapitre c'est Health, Safety avec Ethics, correct? Nous pouvons lire ce chapitre-là, et nous pouvons recoder ça, et pour notre devoir, nous pouvons aller, nous continuer. Vous êtes tous élèves, ce livre ouvert, et vous pouvez suivre moi, et nous pouvons continuer, nous lire ce chapitre-là. Health, Safety avec Ethics. Bon, l'objectif de ce chapitre-là, nous pouvons apprendre qui veut dire Data Protection Act, la loi. Qui veut dire Data Protection Act? Comment nous data protéger dans le domaine computer? Là, nous servons computer, nous data comment protéger. Maintenant, si jamais classroom finit, enfants, nous pourrons connecter. Maintenant, qui veut dire ownership? Qui veut dire copyrights? Qui veut dire plagiarism? Tout cela, nous pouvons dans ce chapitre-là. Et nous pouvons aussi health hazard. Comment là, nous servons computer, nous la santé affectée? Et qui va en danger et dans les services internet. Voilà dans le chapitre, c'est ça qui nous parle guetter. Maintenant, qui fait important, allez, première affaire qui nous guetter, importance of data backup. D'abord, qui veut dire backup? Première question, moi demander. Qui veut dire backup? Backup veut dire, il y a une méthode que nous faisons copier dans le file. So, backup is a method where we copy. Nous copions un existing file, un file qui est important, un data qui est important. Nous faisons ce backup, veut dire nous faisons ce copie. Et là, nous faisons ce copie, quand nous gardons ça. Est-ce qu'il nous garde dans le même computer? Non. Un backup, là, nous faisons, nous copions un file, baisse volume. Un backup, là, nous faisons, baisse volume. Un backup, là, nous faisons une copie de un file qui est important. Nous gardons dans l'autre place. Nous pas gardons dans nos computers même. Nous pouvons mettre dans un pen drive, nous pouvons mettre dans un CD, nous pouvons mettre dans un hard disk external. Et qui fait nous faire ça? Si ça met nos computers crash, nous ça met nos computers fail, ça met nos computers avec problème, nous capable servir ça backup copie là. Veut dire une mesure de précaution ça. Backup c'est une mesure de précaution pour empêcher data perdu. Veut dire nous faire un backup, veut dire nous protéger nos data. Si jamais data perdu, nous capable servir ça backup copie là. Et rappelle bien, backup, ouais, baisse de volume. Backup nous pas faire, nous pas garder même place. Nous faire dire nous garder une autre place pour que si jamais nos computers sont data perdu, c'est pas mal fonctionning, c'est pas software corrompu, soit un jimoun pas erreur, il delete nos data, human error, soit nos computers ont un virus, soit il y a diffé, soit il y a délo, n'importe qui façon nous perdu nos data, nous capable servir nos backup copie. Allez, nous reprendre. Qui veut dire backup? Backup veut dire faire une copie des bandes data, des files qui est important. We keep it in a safe place. Nous gardons dans notre place, côté le safe. Côté les autres gens, pas pour, c'est-à-dire protéger les data, nous gardons dans notre place. Veut dire dans un pen drive, dans un CD, dans un DVD. Soit de nos jours, à ce moment-là, les enfants, il y a une nouvelle méthode, les gens peuvent faire backup. Peut backup dans le cloud. Dans le cloud veut dire dans Internet, dans notre hard disk. Et oui, il y a peut faire backup dans notre pays. Tout cela peut arriver à ce terme. Maintenant, nous causons en cours. Tous les enfants comprennent ce que veut dire backup là. Backup veut dire faire une copie des files importants, ce qui est bizarre, et ou garder dans l'autre place. Pas dans le même computer, pas dans le même hard disk. Ou garder dans l'autre hard disk, pas dans le pen drive, c'est pas dans le cloud, c'est pas dans le drive. À ce terme, dire drive, G-drive, Gmail, que dans le drive, dans l'espace de hard disk, d'Internet gratuit. Et qui fait faire backup parce qu'il dit qu'il a perdu. Mais il dit qu'il a perdu. L'état a perdu à cause du virus, si nous rentrons au computer, il y a une shortcut, ou perdu tout le monde, bonbon photo, joli photo, tout perdu. Soit Jimoun délit tout l'état, soit hard disk fail, brillé, soit il y a des loads au computer, soit j'y fais une prend. Voilà, l'autre question, nous pouvons dire, c'était l'autre temps. Bon, nous bizarre protège nos data dans le computer. Veut dire des états bizarres protégés. Est-ce qu'il y a la loi qui protège nos data? Est-ce que le gouvernement fait la loi pour protéger nos data? Oui. Ça, la loi là, nous appelons ça Data Protection Act. Is a law. Quand nous protège nos personal data. Bon, première question. Qui veut dire personal data? Ok. Alexandre Diamant, qui veut dire personal data? Diamant, un exemple de personal data pour vous. Par exemple, ou numéro de téléphone, les personnel, ça, enfants, les pour où ça? Ou numéro de téléphone, pas besoin de donner tout du monde. Les personnel. Astea, Mauritius Telecom, avant de publier au numéro de téléphone dans Yellow Pages, il demande nous payer un mission, il fait aussi un papier. Il n'y a pas qu'à prendre au numéro de téléphone, mais il dans Yellow Pages comme ça même. Veut dire, data qui est personnel, c'est ou numéro de téléphone, ou l'adresse,
ou financial status. Qui veut dire financial status? Combien de cas dans la banque ou bank account? Tout ça là, c'est ben personal data. Ou qualification, qui résultat on gagne? Tout ça là, personal ça. Un dimoun étranger, pas capable de demander et qui résultat on gagne? Et combien de cas dans la banque? Parce que ça va des affaires là, ça va des data là, ça va des data là, les personnels, les privés pour où? Ou bien qui privés, les mal élevés, c'est le monde demande nous ça va des data. Parce que ça va des data là, les privés pour où? Les bandes personnelles data. Encore une bonne information personnelle data. Ou l'état la santé. Ou la santé. Un docteur pas même un droit mettre ou bandes data personnelle ou la santé dans le public. Un petit monde qui travaille dans la banque, il n'a pas le droit de prendre un personnel d'État s'il travaille dans la banque, il met ça dans le public, il met dans le journal. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il s'amène d'État là, comment on dit, financial status, health status, ou qualification, ou l'adresse, ou le numéro de téléphone, ou marital status, tout s'amène d'État là, on appelle ça personal information. Et personal information, enfin, le bizarre qui est privé. Li bizan gade li privacy, bizan na privacy. Ki veut dire privacy? Pa bizan disclose in public. Public pa bizan connait ça. Li gade personnel pour. Est-ce la question vini? Est-ce qu'il y a la loi qui protège sa bande d'état là? Oui, ça la loi là appelle ça DPA. Qui veut dire DPA? Data Protection Act. Gouvernement met la loi. Bon, ça la loi là si on lire dans internet, dans 1995 première fois tu mets ça la loi là. Et dans 1998, il a amendé, il a changé, il a amélioré. Et ça, la loi là, il protège ou personnel d'État. Veut dire, tout le monde qui garde ou le personnel d'État, il n'a pas besoin de disclose dans le public. Comme la banque, il n'a pas besoin de disclose ou le personnel d'État dans le public. Comme un docteur, il n'a pas le droit de disclose ou le personnel d'État dans le public. Même un professeur, il n'a pas le droit de dire au résultat dans le public. Souvent, des fois, un professeur, prend au papier test, il met ça là-haut, là, il dit, hein, une feuille, zéro, zéro le sang. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que, au résultat, il est personnel. Il est bizarre de nous, ou résultat en privé. Il n'est pas capable de disclose ou résultat en public. Il n'est pas capable de publier ça. Il est bizarre de nous, personnel. Bon, voilà. Nous avons un coup qui veut dire personal data. Personal data veut dire financial status, health status, to academic qualification, to l'adresse, appelle ça man personal data. Et man personal data qui nous dit, bisa qui private, pas bisa disclosing pas public. Est-ce qu'il y a la loi pour ça? Oui, la loi là comment appeler? DPA. Qui veut dire DPA? DPA veut dire Data Personal Protection Act. Et dans qui l'année si vous avez l'internet, dans 1995, qui publié ça. Et dans 1998, il est réamendé. Bon, plus de détails, vous pouvez lire là-dedans. Mais il n'est pas rendu aussi la baisse. Mais nous continuons. Data Protection Act veut dire les gardes ou les personnel data safe. Veut dire NGMUN, ce les personnel data, les safe. Ils ont le droit de savoir quelle information is kept about it. Bon, NGMUN, d'après Data Protection Act, il a le droit de demander qui information vous pouvez garder pour moi. Par exemple, un petit monde qui a un droit connaît la banque qui a information il peut garder pour lui. Soit un bureau taxe qui a information il peut garder pour lui. Veut dire qu'il a un droit connaît. Ce droit ça, ce personnel d'État, qui peut garder. Et la loi protège lui. Il y a la loi qui dit si la banque peut prendre un bon d'État personnel, il protège, il peut garder bien d'après la loi. All information should be collected legally. Il fait ou remplir une forme ou signer qui vous peut donner sa bande d'État. Et si un docteur peut garder un file, dans l'hôpital peut garder un file, il est bizarre de garder safe, il est bizarre de sécuriser, il est bizarre de mettre password dans sa computer là. Pas n'importe qui dit qu'il a un droit à venir avec cette information là. C'est-à-dire, est-ce qu'ils comprennent? Je veux dire, un Jimoun, ce bon personnel d'État, bizarre qui est private. Et dans la loi protège sa bande d'État là. C'est Data Protection Act. Ils ne connaissent qui bande d'État ne peut dire bizarre qui est private. C'est ou ban personal information, ou health status, ou la santé, un docteur pas le droit de dire en public qui est malade ou gagné, ou financial status, combien cas souhaitant dans la banque, qui l'assurance souhaitant, pas le droit de disclose in public, même ou academic qualification, ou résultat, pas besoin de disclose in public. Allez. Maintenant, nous continuons à expliquer, bizarre garde information safe, bizarre protéger.
pas n'importe qui du monde pour gagner accès à personal information, vous mettez password et vous avez la loi protège li. Et l'information qui peut garder pour vous, li bien accurate, li bien correct, li pas ka incorrect et li bien up to date. Système là pas ka garder man ancien information le où, li bien get garder information qui up to date, veut dire récent, veut dire à jour. Correct? Information collected should be kept only as long as needed. Veut dire si un docteur peut garder un renseignement tant que vous pouvez faire consultation avec lui, il a le droit de garder une information. Là, vous pouvez arrêter de faire consultation avec lui, ou de quitter, ou d'aller, ou dans l'autre pays, je ne sais pas. Allô, oui. Allô, je peux tellement. Allez, la plupart des élèves viennent rentrer tellement bien. Vous pouvez bien sortir pour 5 minutes. Vous pourrez arriver. Vous êtes ouvert votre livre. Vous êtes lire un chapitre là. Il y a pas de devoirs. Essayez de faire. Et dans 5 minutes, dès que vous faites un petit travail, vous venez. Là, vous continuez. Si c'est pas mal. Parce que vous continuez à expliquer là-dedans. Lire, lire, que ça va de devoir là. Quick test. Essayez de faire. Là, vous venez pour discuter un petit peu là-dedans. Plage à l'horizon. Vous êtes capable de faire ça entièrement? Bon, ou bien il join, ou bien il a dans le groupe là, là, aujourd'hui. Bon, il n'est pas nous. Hein, mais c'est un seul numéro, vous avez téléphoné, là. Hein? Ok, il y a votre lien, écoute là. Allez, right. Allez, je ouais. Pas, hein? Bien, monsieur. Allez, enfants, vous pouvez oublier ce outil pour 5-10 minutes. Et vous pouvez quitter avec ce chapitre là, il y a devoir là, de tout ouvrir votre livre, de faire ce demande de devoir, et vous pouvez corriger, et vous pouvez venir, vous pouvez continuer cette explication là. Quand nous courons, c'est un devoir là. Allez, c'est un coup d'œil là-dedans. Allez, un devoir. Continuez ce chapitre-là. On va arriver entièrement. Correct? Et nous pouvons aller même dans ce chapitre-là comme ça. Moi, j'espère tout d'abord dans ce livre-là, case. Pas seulement ouvrir dans le livre. Là. Ok? Non, maintenant, il y a ce livre. Je vous fais un devoir là. On va arriver entièrement là. Hein? Correct? Par 159, c'était ça. À partir là, tous les enfants commencent à travailler. On va arriver, mon objet, sur le type 26 minutes. Ok? Allez, vous venez entièrement là, hein? Ok? Vous mettez mute et je vais vous demander là, vous venez entièrement. Envoyez un message qui me fait sortir pour 5 minutes. Ok.
pour vous dire là, pourquoi tu viens pas nous. Allez, continue. Allez, mes enfants, nous continuons la session. Dis-moi si vous êtes en moi. Si vous êtes en moi, correct. Nous allons continuer. Allez, vous êtes en moi là? Ok. Ouais. Allez, right. Nous continuons quand nous t'y arrêtons. Et voilà. Nous t'y arrêtons là. Nous t'y avons un devoir pour corriger et nous dire que le personnel d'État, Data Protection Act, il protège nos personnel d'État. Et d'après le Data Protection Act, un jour, il dit bien qu'on est qui d'État, l'autre banque compagnie peut garder pour lui. Par exemple, la banque, la personne a le droit de savoir quelle information est collectée sur lui. Et les bizarres, any information should be collected legally, legally. C'est-à-dire toute information doit être collectée légalement. Et ben l'information, c'est une compagnie qui peut ramasser l'information là ou là. Les bizarres gardent, les sécuriser, les bizarres safe, les bizarres mettent bonne password qui n'a pas n'importe qui du monde qui a accès. Et data qu'ils peuvent garder là pour les bizarres true, les bizarres accurate et les bizarres up to date. Et en quoi nous devons faire? Si ils amènent quelqu'un peut garder l'information pour vous, comme un docteur, il est bizarre de garder lui as long as qui vous peut consulter avec lui. Si on arrête de consulter avec lui sans le docteur, il n'est pas bizarre de continuer à garder sa bonne information. Et data collected should only be used for that particular purpose. Qui veut dire ça? Il n'est pas bizarre de servir pour un autre purpose. Par exemple, si le bureau income tax peut ramasser l'information pour vous, pour calculer ou taxe, il n'est pas bizarre de garder un service à l'information là pour faire publicité. D'accord? La banque qui peut garder ou une email adresse, qui peut garder ou une personal information, n'est pas capable de servir ça pour un autre purpose. Comment dire, il peut faire publicité, savon, s'abonner, tout ça, ça. Il n'est pas qu'un droit de servir ou une personal data pour une raison qu'il est collectée, il n'est pas capable de servir pour une autre raison. Voilà, ça c'est le data protection. Maintenant, true or false. Correct, je vous demande, mes élèves, essayez de faire ça. Nous voyons combien d'enfants sont capables de faire ça. Allez, premier. Nous demandons à nos enfants, nous voyons que c'est online là. Ok, sans corps. First, any information collected should be kept safe. True or false? True. Très bien, true. C'est-à-dire, n'importe quelle information peut collecter le où, bizarre sécurise-li, bizarre safe, bizarre gardi, protégé. Pour qui? Ben, je ne veux pas misuse-li. Correct? True. Très bien, sans corps. Maintenant, nous vous demandons. Qui est arrivé là? Ça qui fait là-bas. Ouais. Voilà. Maintenant, je vous demande un autre élève. Il demande cela en ligne là. Jaden. Allez, Jaden. Le Jaden Coot. Personnel, lié à lui, mon garçon. False. Nous pas gagné droit ban personnel d'État par rapport à ça tout du monde. Veut dire un docteur par un droit prend ou ban personal information et porte à ça dans le journal, dans le social network, partout. Il n'y a pas un droit porte à ça ou ban personal data partout et en public. D'accord? False, ça, il n'est pas vrai. Maintenant, nous guettons écoute, l'autre enfant. Allez, nous donnons l'autre enfant pour lire. Nous guettons écoute, c'est là en ligne là. Right. Nous demandons Ramphol, essayez. Troisième question. Backup is a process to make copies of existing data. Ouais. Oui. Backup veut dire nous faire une copie des bandes data qui est important et nous garder dans une safe place, dans une autre place. True. Ok. Maintenant, les enfants. Allez, nous guettons un petit salon de donner à les enfants. Nous donne Dutch. Ouais, moi, Dutch online. Guettons un petit salon de donner à les enfants. Allô. Data backup should be done regularly. False. Ouais, les false. Parce que data, bizarre faire backup régulièrement. Regularly. Not really, mais tu bizarre faire les regularly. Qui fait regularly? Parce qu'il a opé sans bande data, ou peut modifier bande data, ou bizarre garder les plus récents backup. Parce qu'ici, arrivé des data corrupt, des data sensé, ou il n'a plus récent backup. Veut dire, ou bizarre faire backup régulièrement. Là, je pose une autre question. What is backup? Qui veut dire backup? Allez, définis pour moi qui veut dire backup. Donc, qui te comprend pour backup your data? Allez, qui te comprend pour ça? Essayez. Data backup
doing different copies of the same data? Yes, backup say making copies of the important file, important data, and keep it in a safe place. But why you do that? Why you do backup? Reason of doing backup. Give me one reason why you do backup. If you have to hold for backup. Tu as envie backup de ban photo bien joli. Tu as envie faire une backup. Veux dire tu veux faire une copie, tu veux garder dans une autre place. Mais raison, demande raison. Qui fait que tu veux faire backup là? In case what? In case your data is lost. Why? In case the computer there is a crash, or your data is lost, or your data is lost because of virus or anything, you can use a backup copy to restore your data, to get your data back. Veux dire, tu fais un backup, c'est où peut garder data là safe. Si jamais où peut agir, ou un backup and copy un garder là-bas ou qu'un regagner. Voilà. So backup is done in case your data is lost. You can restore your data, you can get your data back. That's the reason for doing backup. Ok, maintenant, nous pose un autre élève question. Nous verrons que ça est online en cours. So, reason for using backup, vous trouvez important faire backup, enfants, pour gagner ou ban data régulièrement. Correct. Maintenant, nous pouvons demander Raza. Raza, l'autre question. Raza, l'autre question. Bonjour. Yes, lia les questions là. An information collected should be used only for that particular purpose and not for other purposes. Très bien, mon garçon. True. Demande l'exemple, toi, qui redit à ça? Qui te comprend à ça? Un exemple. Par exemple, je vais te donner l'exemple. Moi, je vais te donner l'autre exemple. Par exemple, un la banque, il peut garder un personal data. Ok? Tout un détail peut garder dans la banque, et un travail dans la banque. Il a tout un détail. Est-ce qu'il a un droit de prendre ce détail-là? Faire ban publicité, faire ban quelque chose de, comment dire, donner ça dans le public, faire ban publicité, tu vois là, ça, lui donne ça à une compagnie qui peut vendre savon, savonnette, lui donne ça à des dollars, lui dit faire publicité, il n'y a pas qu'un droit. Il veut dire, la banque, il prend des états pour garder ou ban d'affaires, casse de la banque, mais il n'y a pas servi pour une autre, il n'y a pas servi pour une autre purpose. D'accord, d'accord. Par exemple, docteur. Docteur garde une personal information plutôt de la santé. Mais si docteur commence à prendre une personal information et c'est avis pour une autre purpose, pour une autre raison. Mais il n'est pas bon. Allez, maintenant nous demandons à l'autre enfant, l'autre question. Je demande à Chedi. Ok, Chedi. Allez, si peine un micro, pas grave. Vous pensez d'y peine un micro. Capable. Ouais, allez, right. Si l'autre dit pas libre, ben l'autre enfant. Ok. Rampasan. Rampasan, il suit peine un micro, non? Monsieur Mike, pas de travail. Ouais, l'autre dit, il y a un petit problème. Rampasan, qui est un coup de si capable. Allez, il suit bloqué. Allez, si Rambassan pas libre, un autre enfant, Balgoban. Allez, Balgoban, plus vite. Non. Balgoban bloqué. Kisto. Kisto, si capable de répondre. Yes, lis la question là, mon petit fille. A person has the right to know what information is collected about him or her. Très bien, true. Qui veut dire par ça? Veut dire si quelqu'un peut enregistrer ou information, ou il a le droit pour demander qui information peut garder pour moi. Par exemple, vous avez un droit à la banque, vous avez des détails, vous pouvez garder pour moi.
Et si l'école peut garder un renseignement pour vous, ou gagne un droit qui est un renseignement, il peut garder pour vous. Si un docteur peut garder un renseignement, ou gagne un droit query, parce qu'il y a ou information ça, ou personal information ça, ou gagne un droit demander qui va un renseignement, il peut garder pour vous. Maintenant, je vous demande à. Qui ça me fait répondre? Qui ça me fait répondre là, vous posez une question? Qui ça me fait répondre là, vous oubliez là? Allez, Kister, une question que vous posez. Give me example of personal information. Demande-moi l'exemple des personal information. Personal data. Phone number. Phone number. Très bien, ma fille. Un deuxième exemple. Demande personal information. Qui m'a une information pour vous, les personnels. Les autres du monde n'ont pas un droit, demande-nous. Sans permission, ben n'a pas un droit. Faire ça, mon affaire là. C'est bon. Gardez les enfants ou l'adresse. Personne n'a pas un droit de demander ça. Ou PIN code. Personne n'a pas un droit. Ou numéro de téléphone. Ben n'a pas un droit de demander. Parce que ça, non, mais ça, mon personal information. Ou résultat, académique performance. Mon du monde n'a pas un droit de demander. Parce qu'il est personnel pour vous. Il m'a élevé, c'est un du monde de demander ça. Correct? Et ou financial status. Combien de cassinats dans la banque? Ou pas supposé dire ça en public et ben du monde pas rien droit ou password du personnel très très bien voilà et ou health status ou la santé si pas ou souffert des kits malades tout ça là ça va ou personal information ça ou pas rien droit du monde pas ou pas besoin de chercher ça dans le public ok parce qu'il appelle ça personnel avec une affaire pour autant personal information bizarre que private est-ce que je suis d'accord moi personal information bizarre qui private. Maintenant, nous allons faire un autre topic, appelé ça ownership, copyright, avec plagiarism of the internet resources. Bon, les ressources qui sont dans l'internet, les enfants, l'information qui est dans l'internet, nous avons web pages dans l'internet, nous avons encyclopédie dans l'internet, nous avons e-book dans l'internet, nous avons newspaper dans l'internet, beaucoup d'affaires dans l'internet. Correct? Et ces bonnes affaires-là, nous mettons des informations. Par exemple, si moi, je fais un. Je fais un livre, je mets ça dans internet, mais du monde capable de faire copie à un livre là. Mais pour empêcher du monde faire copie, il y a la loi ça. La loi là appelle Copyright Act. Ok, Copyright Act is a law. Qui la loi là dit? The owner. C'est un du monde qui crée ce travail là. C'est du monde qui écrit ce livre là. Soit du monde qui fait ce film là. C'est du monde qui se photo ça. C'est du monde qui crée sa santé là. Ça dit moi qui fait sa website là, il protège lui. Lui the owner. He the owner. Ça veut dire d'après la loi, c'est un jimoun qui crée une affaire. D'après Copyright Act, les autres jimoun pas gain droit prend ça et dire pour lui. Il protège sa owner là. D'accord? Veut dire le internet, si jamais vous pouvez prendre les autres jimoun ce travail, vous pouvez copier lui sans sa permission, ça les autres jimoun qui crée lui là. Il est capable de poursuivre vous pour ça. Parce que d'après Copyright Act, ou pas le droit de faire une copie de ce travail. Ça dit que les gens qui créent là, ou bien demandent une permission. Sans cette permission, ou pas le droit de faire une copie. C'est illégal. C'est-à-dire qu'il y a la loi d'enfant. C'est la loi là qu'on appelle Copyright Act. Et Copyright Act, il protège owner. Owner veut dire que les gens qui créent ce travail là. Bon, travail là, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un livre. Un dimon qui crée un livre, il écrit un livre, il dit owner. Il veut dire Copyright Act protège. Un autre dimon, si il a envie de faire une copie, il veut dire demander une permission. Si un dimon fait un film, une vidéo, il dit pour lui, sans sa permission, les autres dimon n'ont pas le droit de faire copie. Si tu as envie de faire copie, tu veux dire acheter à ce dimon qui crée lui là, soit te demander une permission. Si il donne une permission, les là ou capable de faire copie. S'il n'a pas donné une permission, ou pas pour avoir le droit de faire copie. Ça, on appelle ça Copyright Act. Et le Copyright Act is a law. What is Copyright Act? It is a law. Que lui protège the owner. Lui protège original work. Ça travaille owner là, lui protège lui. Lui protège originalité. Il empêche du monde de faire copie illégale. Il a un droit de faire copie. Mais c'est moi, illégal, sans permission, pas de droit. Maintenant, un autre mot nous peut guider. Ça mot l'appelle plagiarism. Ok? Bon, qui veut dire ça? Ou qu'aucun des autres du monde se travaille? Ou dire l'époux ça? Faire comment dire? Ou camarade, il fait un devoir. Il fait un devoir et un projet. Dans l'école, il y a un projet. Et ou camarade, il fait un. Allez, par exemple, faire comment dire Nirai, il fait un projet. Correct, Nirai?
Pour cette idée de voir, Nirai in fait un projet, un joli projet. Bon, Nirai met ça dans son pendrive pour le montrer son professeur. Et qui est arrivé au milieu Raza in gain Nirai son pendrive. C'est-à-dire Raza qui le fait. Il copie Nirai ce devoir et il sent ce nom, il met Raza ce travail. Et il donne ça à son professeur. Le professeur là, elle connaît que Raza fait un travail comme ça. Mais qui ça travaille là, Pélé? Veut dire, Raza, mettons, l'in fait plagiarisme, l'in copie, Nirai ce travail, il peut prétendre pour lui ça. Il peut prétendre pour lui ça, mais il veut dire, il est illégal, il veut faire plagiarisme. What is plagiarisme? Veut dire, copying other people's work and claiming it to be his own. Veut dire, si vous copiez les autres du monde ce travail, vous pouvez dire pour ça, veut dire plagiarisme. Mais est-ce qu'il vous gagne trois copies et les autres du monde se travaillent? Oui ou non? Je demande sa question là. Yadav. Yadav, est-ce qu'il vous gagne trois copies et les autres du monde se travaillent? Oui ou ça non? Allez, Nabchedi, est-ce qu'il vous gagne trois copies et les autres du monde se travaillent? Allez, Shahil, est-ce qu'il y a un droit copie et les autres du monde se travaillent? Non. Moi, je vous dis, capable de copier les autres du monde se travaillent si vous avez ce permission. Si du monde domine de nous permission pour copier ce travail, vous avez un droit copier. Mais c'est moi, si du monde n'a pas de nous permission, vous pouvez copier. Là, il n'est pas bon. Là, il n'est pas bon. Et les copier les autres du monde se travaillent et vous prétendez pour où ça? Ou dire non pour où ça? Comment appelle ça? Appelle ça plagiarisme. Plagiarisme veut dire ou peut coquin les autres du monde se travail et ou peut dire pour où ça. D'accord? Ou peut prétendre pour où ça. Veut dire ça veut dire plagiarisme. Plagiarisme veut dire copying, stealing other people's resources and claiming it to be your own. Ça, il n'y a pas un droit, il est illégal ça. Maintenant, je vous demande ducks and questions. Si jamais ou peut copier une affaire d'épidon internet, et ou pas envie qu'il est illégal, qui vous bise à faire? Vous prenez un travail depuis l'internet, vous copiez, mais vous pouvez envoyer ça au professeur, mais ou pas envie que vous professeur dire ou que vous faites illégal, qui vous bise à faire? Demande l'idée. Ouais, ça, hein, vous demande permission. Soit ou bien ou reference-li. Reference-li veut dire ou mettre une note en bas depuis qui côté on prend ça dans Internet. Ou écrire qui passe ou prend ça dans Internet, qui site, qui côté on copier, ou quote-li. Quote-li veut dire ou peut quote. Veut dire on prend ça depuis dans Internet, tel du monde qui dit ça, et on peut quote-li. Soit on peut reference-li. On peut prendre une référence depuis là-bas. Veut dire, ou pas peut dire pour ça. On peut dire tel du monde qui dit tel affaire sur Internet et on peut servir ça comme une référence. Là, il n'est pas illégal. Il n'est pas illégal parce qu'il veut faire référence ou bien, comment te dire, tu peux demander permission, ça aussi tu peux faire. Mais il est mauvais si on peut copier les autres du monde sur le travail et on peut dire pour ça. You are claiming to be your own. Ça, on appelle ça plagiarisme. Maintenant, nous continuons. Vous pensez tous les enfants comprennent. Bon. Maintenant, voilà. Distinguish between ownership and copyrights. Je vais mettre ça là. Ownership veut dire you own that piece of work ou own it pour. OK? Et les autres du monde pas gain droit modifier li ou protéger d'après Copyright Act. OK? Les autres du monde pas pour gain droit modifier li. Maintenant, ben, ressources qui est dans l'internet, nous vous guettez un petit peu. Plagiarisme, nous guettez, nous allons un peu plus vite avec ça. Ok. Bon. Voilà. Nous guettez ça quick test là. Nous guettez que ça là pour faire. Là. Je demande un des bons élèves. Nous allons essayer ça quick test là. Allez. Je vous demande que ça là en ligne là. Ok. Nous demande personne. Allez, allez. Personne, read it. Si ça met un micro. Ok, personne. Allez, mon corps, personne, pas le micro, pas grave. Douga online, si Douga online, je vais trouver, capable de me bloquer. Ouais, non, Douga online, oui. Moi,
Allez, allez, Douga, essayez. Te dis à très très bien, mon fils. Allez. It is important to use quotation marks when using an author's exact words. True? True. Allez, c'est-à-dire, ou bien les obéir code quelque chose, ou bien servir exact word. Vous allez obéir code un author, ou bien prendre un loterie ce travail, un loterie du monde ce travail, ou bien code lit, et ou bien servir exact word qui l'y dit. Allez, là, Douga, vous pouvez demander toi une petite question, si tu es capable, code moi une affaire qui t'aime bien comme autant, et te lire quelque part dans qui te livre. Un quotation qui quelqu'un qui dit à toi et tu es bien content ça à côté là. Tu as à côté moi quelque chose qui te lie là qui te livre. Un petit quotation. Un livre est un mot qui dit whatever our souls are made of, his and mine are the same. Allez, te lis aller un petit peu plus doucement pour me rattraper tout le mot qui te dit parce qu'il y a interférence un petit peu. Pour me comprendre, parle vite. Doucement, là, t'explique-moi, lis bien. Oui, whatever our souls are made of, his and mine are the same. Allez, explique-moi un petit peu. Ça, c'est un livre qui m'a dit là, donc, bien, nous, nous, et moi, j'ai oublié une quotation, mais je connais président de l'Amérique, ancien président de l'Amérique, John Kennedy, qui quote une affaire. Vous êtes capable de quelqu'un qui a dit qu'il quote? Quelqu'un connaît qui John Kennedy qui quote? Président de l'Amérique, qui dit une affaire, qui beaucoup de monde cite ça. C'est là capable de dire moi. Personne, personne. Pas le gogolita, c'est pas le rôde la gogolita. Vous guettez. C'est la connaît. Si dire. Qui dit si dire? Qui sera le cas à rappeler? Un côté Sean Paul John Kennedy. They think what you can do for the country and not what the country can do for you. Si vous pas connu exact word, c'est la connaît. C'est la connaît. Allez, c'est un rôdli et après je dis à moi. Et je dis à guette qui ou capable faire pour le pays, mais pas attendre qui ou pays qui capable faire pour vous. Voilà, guette n'en zélé vint porter à ça avec nous. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Très très bien. Et Jackson a vu ça. Très très bien. Il est rapide. Très très rapide. Ok, je vais porter à ça avec vous. Ça veut dire une quotation. Et une quotation, le code du monde est bien. Donc, si vous avez ça, il a inverted comma. Et déjà, je vais faire ce qu'il nous dit à vous. Mais vous dites à vous, vous avez mot pour mot, pareil pour pareil. Ou pas sans au meaning, ou pas sans au mot. Une quotation, c'est un exact word. Ça, c'est l'exemple de production de vous. Vous avez une quotation, c'est un exact word. Très bien. Allez, nous prenons l'autre question maintenant. Et l'autre enfant pour vous répondre. Ça ne va pas vous demander qu'il donne. Deuxième question là. Deuxième question, Kedan. Allez, essayez. False. Lia les modifie. Plagiarism is not a serious offense, false. Bon, je ne pas pour dire false, moi. Je vais être sceptique là-dedans parce que qui fait false? Plagiarism n'est pas une serious offense. Seulement, moi, je trouve lié une offense, mais il n'est pas sérieux. Bon, tu peux coquin le autres du monde se travaille et tu peux prétendre pour toi, je trouve lié une offense, moi. Mais capable, il n'est pas une offense condamnable. Monsieur. Oui. Oui, oui. Dans l'examen, quand vous aurez mal pensé mes vidéos. Régiment. Dans l'examen, quand vous aurez mal pensé mes vidéos. Ouais, tu peux comprendre là, regarde ça. Ça fait un mot sérieux offense là. Li comment dire tangible, li intangible, serious offense, qui veut dire serious? Mais comment dire réponse là, je ne suis pas trop d'accord à cette question là moi-même. Bon, et moi, moi si vous avez envie de poser cette question là, moi je dire is it an offense? Is it an offense? It is an offense. Parce qu'il y a de me copier les autres du monde de travail, il y a une offense. Mais ça, mot serious là, li intangible, li pas comment dire qui, ce meaning pas correct. Voilà. Mais dire, moi, je pense qu'il y a une offense. Parce que si un petit monde peut copier, comment ça va se faire? Ça va se faire ça?
Y a quelqu'un de répondre? Celle-là? Je mange. Ouais, comment t'appeler? C'est Taram. Ah, c'est Taram. Et moi, je voulais dire Syria Sofane parce que le professeur m'était de haut. Et si tu goré dans Cambridge, Cambridge, pas l'histoire récomposée. Tu connais ça? Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Attends, ne paierai. Bon, wait. Wait. Allez, correct là, je vais rétablir mon âge, tu n'arrives pas. Allez, si tu es enfin arrivé, nous continuons. Ouais, ben, les enfants vont venir. Déjà, moi, ce micro-là, correct là. Allez, bon là. Moi, on vous dit, il y a une offense, c'est moi. Mais c'est moi, le problème, c'est sa question-là, il y a un peu tricky. On ne va pas trouver une bonne question. Moi, si la ligue a même, tu sais, sa question-là, moi, tu vous dis, plagiarism, is it an offense or is it not an offense? Il y a une offense. Mais là, il y a une serious offense, il dépend de la seriousness de quel niveau il était. Seriousness, est-ce que le plagiarisme, moi, pensais, l'hyperprojectal, te condamner, toi, en prison à cause du plagiarisme? Mais pas vraiment. C'est l'université, il est capable de mettre toi de haut, mais il n'est pas capable de mettre toi en prison. Et l'école est capable de punir toi pour certaines petites choses. Tu n'as pas gagné ton point, il cancel toi, il disqualifie toi pour cet examen-là. Mais il n'est pas une offense, criminal offense, moi, pensais. Ici, seriousness, moi, pensais, il peut dire criminal offense. Il n'est pas une criminal offense. D'accord? Mais c'est-à-dire, il n'est pour cas disqualifier toi, etc. Mais il n'est pas pour une offense que tu pour prison. Vous pensez, là, dans le cas là, si nous considérons comme ça, un plagiarisme is not a serious offense, nous me dit true. Dans ce cas là. Serious offense veut dire une offense qui est en prison. Ok? C'est-à-dire, dans ce cas là, nous me dit true. Ne me comparez avec une serious offense que comment dire, tu as condamné la cour. Correct? Allez, dis bon dans le sens là, enfant. Mais c'est moi, il y a une offense parce qu'il te gagne une punition pour lui, tu te disqualifies pour l'examen. Mais c'est moi, tu n'es pas en prison pour ça. Ok? Mon cas expliqué? Les enfants, mon cas expliqué? Personne ne va me dire. Allez, je veux dire, serious offense, je veux dire, je ne comprends pas qui ou pas en prison pour ça. Mais c'est moi, il y a une punition, hein? Comment le dire? Allez, l'autre enfant, nous guettons l'autre enfant maintenant, nous continuons. Bon, ça, l'enfant là, moi j'ai envie de t'en lire. Vinix. Je ne sais pas si je prononce ce mot, ce nom bien. Allez. Unmute-li, slicosé le BD. Allez. Allez, un autre enfant. Oui, bonjour. Dupliquer, checker, lire les mots, garçon. Tu m'avais suivi quand on est arrivé là. Allez, Duplicate Checker is not a free online plagiarism software. Ok. False. Rédiamant. False. False. Il n'est pas free ça. Mais il vous a payé pour ça. D'accord? C'est derrière l'université payé pour ça. Pour lui checker si c'est un plagiarism ou la plagiarism. Moi, je suis d'aller venir faire Duplicate Checker free. Attends, attends, écoute, si vous me faites. Qui parle j'y étais? Dupliquer check. 170. Attends, je vais checker un coup. On est tranquille là. En bas, en bas. En bas, ok. En bas, bas voilà. Voilà, voilà. Ok, sorry. Voilà, voilà. On est raté là. Dupliquer checker, c'est un plagiarism software, il est free. Et grammatically, ça aussi,
Et voilà, ben, différents software qui est gratuit. Ok, sorry. Allez, ne continuez. Il est correct là, ton brandy? Ouais, il est bon là, très bien. Faites attention avec ça. Allez, nous continuons l'autre question maintenant. Répétez quand on est arrivé. Next. Nous guettons ça, c'est tout. Parma. Nous guettons Parma, écoute. Diali. Allez, Parma. Ou la même. Parma avec la cousine. Unmute Parma. Si ce micro bon, il est posé. Si le micro pas bon, là, le zélé prend. Allez, Parma. Non, allez, Parma va avec la réponse. Et l'autre enfant. Oubaye. Allez, nous allons écouter si Oubaye là. Allez. Non. Allez, right. Lia les mots, garçon. Allez, Lia Li. Nous arrive là, là. Highlight Li. You are using copyright that protects original work on the internet. Oui, très bien. Bon, there is a copyright law. C'est-à-dire la loi qui appelle ça copyright. Et ça, la loi-là, qui dit il protège original work. Qui veut dire original work? C'est-à-dire si un jimouni crée un livre, un jimouni crée un website, un jimouni crée une photo, un jimouni crée un magazine, bélo internet, il y a la loi qui les autres jimouni pas rien, loi faire ce copie. Les autres jimouni pas rien, loi faire ce copie sans permission. Védia, réponse living true. Védia, il y a un copyright act qui protège nos original work. Tout à fait que nos original nous crée, internet protège nous, tout ça. Maintenant, dernière partie, nous sommes là-bas, nous parlons vite. Allez, je vais écouter, nous pouvons faire health hazard. Ok? Ben, problème, la santé qui nous gagne, le service computer. Bon, premier, le problème, la santé, là, nous gagne, là, nous service computer trop beaucoup. Il y a des enfants qui jouent game beaucoup. Les autres jouent game beaucoup. Je servis, je la main, je ban mix. Et là, je peux faire un travail répétitif. Qui veut dire répétitif? Même mouvement. Vous pouvez faire plusieurs coups de aller, même aller. Grand matin, tantôt, vous pensez à un jimoun, vous pouvez clic, 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 avec son mouse, soit keyboard. Vous pouvez faire un seul travail grand matin, tantôt. Qui est arrivé ce mix? Ce mix fatigué. Ce ban nerf fatigué. Ce ban tendance. Qui veut dire tendance? Tendance, c'est. Les joints, ce mix avec ce les os. Ok, ça élément qui joint ce mix avec ce les os, ben tendance. Et il y a une tendance là où ben, la main que moi, la photo là, ben, montrer, de mon wrist ou mon fingers, ça tout ça là fatigué. Parce que qui va être fatigué? Vous faites seul travail tous les jours, depuis grand-mère, attends, clic, 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 n'est que le portable, n'est que le keyboard, n'est que le computer. Grand-mère, tantôt, là, vous pouvez faire un travail répétitif. Pense-toi, un jimoun, un typiste. Tous les jours, tout selon la vie d'une chipée. Tout selon la vie, grand matin, tantôt dans son bureau, il peut chipper, 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 grand matin, tantôt, il peut chipper. Qui arrive sur la main? Qui arrive sur les doigts? Rédiamant? Papa, on a écrit. Non, mais tu pas écrit, mais grand matin, tantôt, toi. Mon compte bien, moi. Grand matin, tantôt, tu pas écrit, toi. Un petit guillet, tu as écrit. Après, tu as écrit. La plupart des temps, tu as joué. Tu fais un petit mouvement avec la main. Tu tournes la main. Tu fais un petit mouvement. Mais là, tu écris, tu n'as pas écrit avec grand matin, attention, parce que tu lis, un petit peu tu écris. Mais c'est moi, là, tu le typing. Fais-moi dire, un quelqu'un, tu type grand matin, attention, ce travail, c'est typing. Mais sur un mix fatigué, sur les doigts fatigués, et ça, problème-là, on appelle ça RSI. Qui veut dire R, qui veut dire S, qui veut dire I. R veut dire répétitive, S veut dire strain, injury veut dire it cause damage to your fingers and hip. Veut dire à cause où vous faites un travail répétitif, vous avez douleur, strain, douleur, injury. Veut dire vous avez douleur dans la main ou dans les fingers, il y a un problème. Veut dire qui ça fait créer RSI? C'est à cause du travail répétitif. Repetitive use of keyboard, mouse, spending too much time on the computer games or computer, soit bad postures ou pas qu'on chipper.
il y a une façon de typer ça. Vous devez en prendre comment typer. Comment position ou les doigts le keyboard. Si vous ne connaissez pas, il y a internet how to position your fingers on keyboard. Pas comment de typer avec des les doigts ça. Vous devez connaître comment position ou les doigts de keyboard. Et bizarre connaît, bizarre prend break. Pas depuis grand matin, tantôt, puis je game, jusqu'à ce que la main ait un crampe. Je connais la main ait un crampe, les doigts ont un crampe, les doigts font mal. Ou bien que je game, c'est là où il y a un wrist problem. Je veux dire, ou il y a un problème de la santé. Si vous êtes typé depuis grand matin, tantôt, ou bien que je game, mais ou il y a un problème de la santé. Ce problème de la santé là, comment appelle ça? Ce problème de la santé là, appelle ça RSI. Qui veut dire RSI? Repetitive strain injury. Et quand vous gagnez ça, l'air ou bien trop beaucoup de temps, ou bien type avec vos fingers. L'air là où gagne sa problème. Précaution. Qui précaution vous prend? Ou prend ban brick. Veut dire, ou capable de typer ou jouer game en y attend. Après, vous prend un brick avant ou revient jouer. Soit, vous servez ban ergonomic keyboards. Ban keyboards ergonomic. Nous pourrions que ça mot là, t'as l'air ensemble. Ergonomic, veut dire ban keyboard qui prend compte ou la santé in design. C'est-à-dire que ce banquise dans une telle position qui vous fait moins de mouvement. Et les banquises design ce banquise là, il prend en considération la santé, pour la santé pas affectée. Voilà. Soit nous servons un armrest, on la pose ou les bras. Et proper use of mouse et keyboard. Bon, nous finissons avec ce problème la santé là, ce problème la santé là, c'est un RSI. RSI veut dire qu'il y a un pain qui occupe dans un mix, dans un tendon, dans la main, dans un fingers. Et qui cause ça parce qu'il vous peut typer trop beaucoup les temps. Et vous pouvez prendre break, soit ou pas position ou les doigts bien, ou la bad posture. Ça les crée ça. Et précaution, prendre un break, et besoin d'un good sitting, good posture for your hand, your fingers. Vous avez servi armrest, vous avez servi ergonomic keyboard, et vous prendre un break. Bon, nous avons le deuxième problème maintenant. Deuxième problème, beaucoup de gens souffrent, qu'est-ce que ça fait là? Back pain. Ce colonne vertébrale est mis en travers. Ok, du monde là, pas qu'on assise. Il y a beaucoup d'enfants pas qu'on assise. Assise ou bien assise droite. Ou pas assise cabossée. Allez, dressez les reins de t'assise bien. Les reins pas bien cabossées. Et surtout, il dit aux parents, assez un bon 16. Un bon 16 qui servit dans un bureau là, exécutif là. Un bon 16, quand tu pose ou back rest. Ou les deux bien posés là où ça s'assise là. Les enfants pas bien assis dans le stool, dans le computer room, dans beaucoup de l'école, dans le computer room, dans le stool. Le stool pas bon pour assiser, ce posture pas bon, ou courbé. Là, ou courbé, ou colonne vertébrale déformée. Là, ou colonne vertébrale déformée, ou gain ban pain, ban back pain, neck pain. Veut dire, bien, bon 16, ergonomic chair. Quand vous capable, il y a un back rest. Et si vous persistez trop beaucoup l'état devant ou la table, vous pouvez lire, mais vous avez besoin d'un bon 16 confortable pour capable poser les deux bien, pour capable relaxer, pour capable lire. Mais c'est moi, 16 là, pas besoin trop relax, trop ça, qui commence à 16 000 lili, et vous commencez à dormir le 16 là. Ok, il vous a 10, une good posture pour que la colonne vertébrale pas déformée. Voilà, ça on appelle ça back pain, neck pain. Vous pas besoin trop courber le ou la table, vous pas besoin trop posture bien correcte. Voilà, bizarre pour le ministère, un lettre, un email, qui bizarre sans tout, stool dans le computer room, bizarre mettre ben 16 exécutif. Bon, vous pensez que tu as raison, tu t'en rends. Ok, bizarre pour les autres, ça, un lettre. Ok, bon, voilà. C'est-à-dire, si nous assistons trop beaucoup l'état devant, si nous assistons trop beaucoup l'état le ban 16 qui paye la good posture, mais il n'est pas bon ça. Bizarre sans Z, bizarre un bon 16. Ok, maintenant, précaution. Précaution. Tu as besoin d'un good sitting posture. Tu as besoin qu'on assiste toi bien dans ta chaise. Tu as les deux bien posés par derrière dans ta chaise. Tu as besoin d'un backrest. Et tu as besoin confortable. Tu poses la main bien dans ta chaise. Tu vas courber. Et pas sortir gros sac. Les deux, les autres cabossés. Dans longtemps, tu peux faire CPE. Tu peux sortir gros sac. Les deux, et ça, tu peux cabosser. C'est-à-dire causing un muscle problem. Ouais, fatigue, tu seras arrivé. Voilà, je te prends un footrest. Quand on pose les pieds, l'eau la fait en bas, quand on pose les pieds en bas, foot rest, ça aussi nous allons faire. Il y a une bonne sitting position. Nous avons. Maintenant, nous avons encore le bon problème de la santé qui nous gagne. Voilà, ça, beaucoup d'élèves souffrent de ce problème-là. Beaucoup d'enfants, ils ont remarqué de nos jours, juste le portable, juste la télévision et juste le computer qui est arrivé, ils ont ligé une rouge. Et ils ont ligé
mine rouge, et les enfants ont tout lié à la tête, qui a une migraine. La tête fait mal. Il n'a rien tellement les douleurs la tête, vous allez prendre comprimé. Bon, parce que qui fait? Ou potable, il y a une radiation. Il peut avoir une wave, la lumière là où léger. Si vous pouvez ça pendant longtemps, trop pour les temps, les enfants gagnent malades, comme une crise d'épilepsie. Et les enfants gagnent à cause de trop fixer l'écran. Pas besoin de trop fixer l'écran. Ok? Voilà. Voilà. Bizarre. Pas trop fixer l'écran beaucoup le temps. Qui veut dire ça? Bizarre prendre un break. Vous capable de gagner un chigin? Après, ou prendre un break. Si n'a pas, ou vous gagnez douleur à la tête, un headache, un pain, etc. Et souvent, des fois, qu'est-ce que vous avez fait? Les on peut fixer ou liger dans l'écran, les prêts à haut. Souvent, des fois, ou bizarre, levez-vous la tête, gagnez un peu loin, détendez haut, gagnez à travers ou la fenêtre. Get oiseau le pied, get montagne, get l'échelle. Qui fait? Ou léger, relax. Là, on peut fixer ou léger l'écran, ou ben mix dans léger, peut contract. Et si les contract trop beaucoup les temps, ou léger fait mal. Veut dire, là, on devant au laptop, ou peut get l'écran trop beaucoup les temps, un des secondes, un des minutes, ou bien observe paysage. Get comment les enfants disent? Observe paysage, get en déo, get man zoasso, mais pas get voisin, voisine de haut, correct? Get l'échelle, get zoasso, get pied en déo, pour relax ou léger, d'accord? Ça, il faut éviter. Et pas get télévision, film trop beaucoup les temps. Ou bien, prends un break au milieu. Ou bien en déo, morse, get flair, get paysage, comment un enfant peut dire. Ok, si là-bas ça va une radiation là, émettre pas mal l'écran, ni pour fatiguer l'hygiène, ni pour fatiguer l'esprit, ou pour gagner une crise d'épilepsie. Bon, il y a des élèves qui ont été salués à Internet, les enfants tombent en bas, et ils ont gagné un problème, parce qu'ils trop beaucoup. À ce temps où brightness là où l'écran, vous êtes contrôlé, où l'écran pas besoin trop bright. Et en plus de ça, ou pas besoin rester dans la salle trop noire aussi. Si vous la salle trop noire, pénacer la lumière. Vous lisez fatigué les enfants. Vous lisez fatigué parce que vous lisez plus faire des efforts pour lire ce qui est dans ou l'écran ou bien ou un livre. La place que vous pouvez lire, vous avez assez la lumière. Si vous avez assez la lumière dans la salle, vous lisez pour fatiguer. D'accord? Et vous faire beaucoup d'efforts pour lire. Voilà. Et vous avez dans la salle, vous avez assez l'air, vous avez aéré. Et voilà, tu peux vous lire. Ou la lumière pas besoin trop bas de batterie aussi, pas besoin trop allumer, lire peut faire discolage, parce qu'il peut avoir des problèmes. Voilà. Maintenant, les enfants peuvent avoir encore un message, t'as l'air de bouger. Bon, on va pas parler trop long, ça, mon fille est assez expliqué. Et ou besoin servir un bon écran, un écran qui anti-glaire. Glaire qui veut dire glaire, l'ordre, quoi dire, l'ordre l'écran là. Ou besoin servir filtre, etc. pour protéger ou léger. Voilà, mon advice qui lui donne toi, good sitting posture, vous êtes confortable dans que tu peux lire et vous êtes faire mouvement avec le léger. Dans les pratiques yoga, il faut faire mouvement avec le léger, la respiration, tout ça. Et vous êtes prendre un break. Voilà, une cause un petit peu de la santé. Voilà, ça c'est un bad posture. Qu'est-ce que tu veux là? Il y a un bad posture. Ça c'est un good posture. Et qui a été servi? Il y a ça, ergonomic chair. Voilà, ergonomic chair. C'est 26 confortable pour capable servir, pour te carciser. Voilà, dans l'école et la carcie, prendre bon 16 pour carciser. Good sitting posture. Là, les mots de ta correct posture for using computer. Correct, the height, get to la table, get to les pieds en bas, il y a un footrest, pose un petit affaire en bas pour poser les pieds, et ou bien assise bien, ou 16, ou les deux bien posés, ou les deux bien appuyer le sa backrest là et bien un arm rest que là où vous posez ou arm et ou wrist bien straighten et ou l'écran bien tilt ou eyes level. Voilà, ça c'est un good sitting posture. Voilà, maintenant quick test, dernier quick test nous vous faire. Non, ça nous vous donne ça comme homework, mon pensée. Je vous donne ça comme homework. Voilà, question, allez prendre homework. Ça quick test à numéro 1. Et quick test numéro 2. Voilà. Et là, nous pouvons continuer prochaine classe. Parce que là, on arrive un peu tard. Nous pouvons arrêter. Ça a aussi des voix. Ça, Martin, là, a aussi des voix. Correct, Martin, là, des voix.
Et ça devoir, tout simplement devoir là, de vous corriger dans la prochaine classe. D'accord? Voilà, tout simplement devoir là, à un moment donné. La prochaine classe, nous vous corrigez ça. Parce qu'il y en a un petit peu tard là. Et nous pouvons arrêter sa session là, là même. Nous pouvons arrêter mon, comment appelle ça les affaires là? Mon recording. Et nous pouvons l'autre ça dans YouTube. Pour que l'équipe entende, prêt et n'y attendre de faire là, hein.